Sema tushangilie kwa utukufu wa Bwana. Nous disons acclamons pour la gloire de Dieu. Disikie kushangilia kwa utukufu wa Bwana. Sentez-vous d'acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tunabariki tena Mungu mkuu hapa jioni ya leo. Nous bénissons encore Dieu pour notre présence à ce lieu. Ni neema ya kipekee mimi na wewe tunafaidika. C'est une grâce individuelle que moi et toi nous avons reçue. Biblia inasema ni heri kupitisha siku moja mbele ya uso wa Bwana. La Bible dit que c'est heureux de passer un seul jour devant la face de Dieu. Kuliko kupitisha siku elfu mbali na Bwana. Plutôt de passer 1000 ans hors de la face de Dieu. Ndio kwa maana uko mwenye heri jioni ya leo. C'est pourquoi tu es heureux ce soir. Wewe ambaye unapatikana hapa. Toi qui se trouve à ce lieu. Amen. Amen. Tafungua Biblia zetu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le kitabu ya Yakobo. Dans le livre de Jacques. Sura 5 mstari wa 16. Jacques 5, 16e verset. Yakobo sura 5 mstari wa 16. Jacques 5 16 verset. Tubuni zambi zenu wamoja kwa wengine. Repentez vos péchés les uns aux autres. Muombe wamoja kwa wengine. Priez les uns aux autres. Na mutapokea uponyaji. Et vous recevez la guérison. Maombi yenye kudumu. La prière qui demeure. Na ya mwenye haki. Et d'injuste. Ina nguvu kubwa. Une grande force. Amen. Amen. Shangilia Bwana na uketi kwa jina. Acclamez le Seigneur et mettez-vous au nom de Jésus-Christ. Toka siku ya tatu tulianza réflexion kidogo. Depuis le mercredi nous avons débuté une petite réflexion. Ambayo inasema hivi. Qui est intitulée La prière efficace. Maombi yenye nguvu. Alléluia. Amen. Sababu gani tuko tunazungumzia mada hii? Pourquoi sommes-nous en train de parler ce thème? Ilikuwa inapita wiki mbili. Il passait déjà des semaines. Tulikuwa tunazungumzia mada yetu kubwa ambayo inasema kwa jina langu mtafukuza mapepo. Nous parlons d'un grand thème à mon nom vous chasserez les démons. Na tulikuwa tunazungumzia sous-point ambayo inasema les portes démoniaques. Et on parlait d'un sous-point qui disait milango ya mapepo. Amen. Na tulionyesha mara ngapi? Et nous avons montré combien de fois. Sisi wenyewe tunafungulia mapepo milango ndani ya maisha yetu. Nous-mêmes nous donnons l'accès à des démons dans nos vies. Ni kweli Mungu anatujalia neema tunapokea ufungulivu. C'est vrai que Dieu nous a donné la grâce on a reçu le salut. Lakini kisha ufungulivu. Mais après la délivrance. Mungu anachunga sisi wenyewe tulinde hiyo ufungulivu. Dieu attend que nous-mêmes nous puissions garder cette délivrance. Kama uchunge ufungulivu. Si tu ne protèges pas la délivrance. Mapepo itaingia kila wakati ndani ya maisha. Les démons vont entrer à tout moment dans ta vie. Soma hii parabole ambayo Yesu alikuwa anasema. Nous avons lu ces paraboles où Jésus disait. Ya kwamba wakatosha pepo ndani ya mtu. Que s'il retire un démon dans l'homme. Hiyo pepo inaenda mahali pakavu. Le démon aille dans un endroit. Kisha huko haitapata makao. Et là ça n'aura pas lieu de mère. Hiyo pepo inasema nitarudi katika nyumba yangu. Ce démon va dire je vais rentrer dans ma maison. Nione kama kuko occupé. Pour voir s'il y a une occupation. Biblia inasema inarudia. La Bible dit que ça revient encore. Ikakutana ya kwamba kwa sababu mapepo inataka mili yetu ya kwamba ni nyumba yao. Parce que les démons appellent nos corps leur maison. Mapepo haina adabu. Les démons n'ont pas la politesse, ce sont des impolis. Banaitaka mili yetu aseni nyumba zao. Ils appellent nos corps nos demeures leur demeure. Biblia inasema inaporudi. La Bible dit que lorsque ça revient. Ikakutana mahali waliifukuza. Si, ça raconte que là où on l'avait chassé. Hakuko occupé. L'endroit n'est pas occupé. Inafagia. Et ça balaye. Inaenda twala saba ya zaidi kumpita. Ça part alors appeler sept banarudia banaketi ndani ya huyo mtu. Il rentre, il demeure dans cette personne. Biblia inasema na hali ya huyo mtu inakuwa mbaya kuliko mbele. La Bible dit que l'état de cette personne change. Alléluia. Amen. Ndio kwa maana kisha ufungulivu. C'est pourquoi après la délivrance. Kisha uponyaji. Après la guérison. Kisha neema ambayo Mungu anaweza fanya ndani ya maisha yako. Après la grâce que tu peux faire dans ta vie. Chukua chukumu ya kufunga milango. Prends l'engagement de bloquer les portes. Afin que les démons qui ont sorti, que ça puisse pas rentrer. Tuliwapatia mifano mingi. Nous vous avons donné beaucoup d'exemples. Tunaweza kuombea leo ufungulivu juu ya kazi. On peut prier aujourd'hui la délivrance pour le travail. Mungu anakufungua. Dieu te délivre. Mais baada ya kukufungua. Mais après avoir te délivré. Au lieu wewe mwenyewe ufunge milango. Au lieu que toi-même tu bloques alors les portes. Unafungulia tena mapepo milango. Tu ouvres encore aux démons les portes. Inarudia tena inafunga ile milango. Ça rentre encore ça bloque cette même porte. Alléluia. Amen. Ninajua dada moya. Je connais une sœur. Alikuwa nakuja hapa à l'époque tumombe. Elle venait ici à l'époque on priait pour elle.
Et la sœur là, on priait pour elle, elle retrouvait toujours la délivrance. Mais après avoir retourné à la maison, encore les démons trouvent la sœur. Le lendemain, encore lorsqu'elle va venir, encore les mêmes démons, encore va le faire changer. Encore les grands démons. On se pose des questions. La sœur a reçu la délivrance hier. Qu'est-ce qui a poussé encore les démons là? Hier, on a prié pour elle. Encore aujourd'hui, encore elle tombe. Encore le mercredi, elle vient. Même chose. Mais si qu'il y a le mercredi en priant pour elle, on a posé au démon la question. Dans quel moyen vous entrez dans cette sphère? On se cache dans l'huile qui est loin. C'est pourquoi même si on nous chasse, oui, nous quittons, nous partons, mais nous rentrons encore dans cette huile. Lorsque elle se lave, elle se oint, nous retournons encore. Et les démons ne se fatiguent jamais. C'est toi qui peux se fatiguer. Mais les démons ne se fatiguent plus jamais. Je peux vous donner l'exemple. La Bible dit, Jésus-Christ, Jésus-Christ conduit par l'Esprit de Dieu, il est entré dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours, jour et nuit. Lorsqu'il fit entrer dans le gène, la Bible dit après avoir gêné, et le tentateur est venu. Si tu es enfant de Dieu, transforme la pierre en paix. Jésus l'a vaincu, il a dit. Il est écrit encore que l'homme ne vivra pas par le pain, mais à chaque parole qui sortira où de la bouche de Dieu. Le diable avait accepté qu'on l'a vaincu, non? La Bible dit, il l'a fait monter encore au-dessus du temple. Il a encore dit, il est écrit que les anges sont à l'œuvre pour toi. Jette-toi depuis là-bas, ils vont te prendre afin que tu ne puisses pas te battre. Jésus l'avait dit encore, il est écrit encore, ne tentez pas ton Dieu. La Bible dit, il le fait encore monter sur une grande montagne. Vous voyez comment est-ce que les diables ne se fatiguent pas? Les sorciers ne se fatiguent jamais. Tes ennemis ne se fatiguent jamais. On va les chasser dans ces moyens. Il part encore à infatiger. Ils cherchent encore. Continue toujours à prier. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui aura pas. Et ça veut dire, dans la vie chrétienne et dans l'ensemble, il faut utiliser la force. Et c'est le royaume qui est le royaume n'aime pas les faibles. Ce royaume n'aime pas les faibles. Ce monde aime les vaillants. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu trouves la délivrance aujourd'hui, trois jours tu dors bien, tu oublies même de prier. Tu oublies que ces gens-là ne se fatiguent pas. Ils cherchent encore la stratégie. Comment est-ce qu'ils vont te trouver? La Bible dit, il a fait monter Jésus au-dessus de la montagne. Il a fait monter toute la gloire du monde. Il a dit, tout ça, ça m'appartient. Et je donne à celui que j'ai fait. Si tu m'adores, seulement je te donne. Jésus l'a dit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu à tout ton cœur, à toute ton âme et à toute ta force.
Le diable ne se fatigue jamais. Shetani achawai kuchoka. Mutu asiku distrait. Que personne te fait pas distrait. Shetani achokaki. Le diable ne se fatigue pas. Anatupiga vita usiku na mchana. Il nous combat jour Leo et nuit. Leo kama alikupiga magonjwa si kichwa na mfukuza. Il t'a frappé. Kesho natafuta aye atakupatia magonjwa mgongo. Il va chercher comment tu C'est comme ça avec le monde de ténèbres. C'est comme ça toujours avec elle. Pourquoi le diable travaille comme ça? Il ne veut pas partir lui-même. Il sait très bien. La gloire. Qui nous attend au ciel. Il sait très bien. Il connaît très bien. Namunagani tutangara mbinguni. Comment nous serons priés là aux cieux. Anayua amani ambao tutapata mbinguni. Il connaît la paix que nous aurons là. Anayua stabilité tutapata mbinguni. Il connaît la stabilité que nous aurons là. Shabaya shetani kutupiga vita. Anayua destination yake ni mumoto. C'est parce qu'il connaît sa destination. Merci. Et nous tuende pamoja naye mumoto. Que nous soyons avec lui là-haut. Il n'est d'emballé hata kusema. La Bible aille même les anges au ciel. Hata malaika kuzikuni. Ils sont en train de fixer leur regard. Regardez la grâce que nous avons reçue. Bana Shangala. Et ils sont très étonnés. Les anges au ciel. Ma malaika Jubigun. Imbécile. Si il dit seulement imbécile. Celui s'est fini, on les chasse et il part en affaire. Mais regarde la grâce de toi. Même si tu pèches aujourd'hui, tu te répands encore demain. Dieu t'accepte encore. Et les anges se posent tant de questions. Tu es nini neema ya hivi? Pourquoi c'est il continue à madame? Et pour les hommes, mais nous on n'a pas cette grâce. Et chose est grave. Et la chose est grave. Si les anges sont au ciel, premièrement c'est pour adorer et louer le Seigneur et pour nous servir nous. Na kwa kututumikia shii. Ils sont les serviteurs de Dieu pour nous. Pour dire quoi? Ça veut dire quoi? Une personne a une grande importance plus que les anges. Alléluia. Amen. L'homme est très important plus que les anges. Le diable connaît comment toi tu es. Devenir enfant de Dieu. Le diable connaît ses secrets. Son souci jour et nuit. Son souci jour et nuit. Et qu'il te fait ravir cette identité. Il est jaloux lorsqu'on t'appelle enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui te donne l'autorité sur le diable. Il te donne l'autorité sur la sorcellerie. Il te donne l'autorité sur la fétichisme. Il te donne l'autorité sur le royaume. C'est autre chose. Tout ça, le diable est jaloux de ça. Le diable est icône à Wifu. Maintenant, on a encore pigané sa maïsha. Non, ça, on a combattu ta vie. Nawe kama uko prudent. Alors, toi, si tu n'es pas prudent, tu es en train de lui donner l'accès. N'ai jamais murmuré pour Dieu. Dieu ne peut pas permettre que le diable puisse te toucher. C'est toi-même. Et c'est pourquoi la Bible dit que ne donnez pas accès. Au diable. Mais comment la Bible me sait C'est-à-dire que ne donnez pas accès au diable. Ni wenjo na mfungulia milango. C'est toi qui donnes accès au diable. Mungu anapokujalia neema upokee ufunguliwe. Le Dieu te fasse grâce pour que tu trouves la délivrance. Kitu ambacho que Mungu anachunga kwako. La chose que tu attends chez toi. Kuchunga hiyo ufunguliwe. Et que tu gardes cette délivrance. Mais wangapi katikati yetu? Mais combien au milieu de nous? Combien au milieu de nous? Il ne gardait pas la délivrance. Ton travail c'est de donner la clé aux sorciers. Lorsque tu es lorsque tu es en colère, tu l'ouvres. Nilimwambia kutokusamehe ni kufungulia machawi milango ndani ya maisha. Le pardon c'est lui donner leur porte. Et combien des enfants de Dieu? Na watoto wa Mungu wako wanaishi bila kusamehe. Sont en train de vivre sans pour autant pardonner. Sikia. Si tu veux aller au ciel. Kama unapenda uende mbinguni. Que ça soit. Ikue. Mabaya watu wanakufanyia. Les mal qui les gens te fassent. C'est toujours pardonner. Kusamehe tu. Kwa haraka kusamehe. Hati toi de pardonner. N'est pas pardonné. C'est de donner l'accès au diable et aux sorciers et ouvrir leurs portes dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être prudent dans ta vie et bloque les portes. Alors, tu kasema, alors on a dit si nous voulons parler de la prière efficace parce qu'il y a de prière parce qu'on a maombi pour autre chose, et quoi ingine, pour autre requête, quoi ingine, ma, ça ne nécessite pas la force. Hayombe ngufu.
La prière d'adoration. Na maombi ya mabudu. Ayombe nguvu. Ça ne demande pas la force. La prière de louange. La prière ya kusifu. Ayombe nguvu. Ça ne demande pas la force beaucoup. Prière ya kombi ya mahitaji. La prière de prier pour des requêtes. Ça ne demande pas de force. Ça ne demande pas nguvu. Mais la prière d'autorité. Lakini maombi ya mamlaka. Ça demande de force. Ina omba nguvu. La Bible déclare. Biblia imesema. Dans Luc chapitre 10. Daniel Luke mstari verset 19. Na mstari wa 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Luc chapitre 10e. Luc 10. 19e verset. 19e verset. La parole de Dieu dit ce qui suit. Voici. Et regardez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire à ce qui concerne les combats, il ne faut pas se mettre à y faire koulala. Mais nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Ça veut dire d'utiliser la force. C'est pourquoi Dieu bat ouezo, pour que tu trouves l'autorité, bat mamlaka, pour que tu trouves l'autorité, bat nguvu, pour que tu trouves la force, pour piganisha maadui yako, pour battre tes ennemis, pour kufunga milango yako, pour bloquer leurs portes. Tu dois utiliser la force. On a pas été chanté. Maombi yako na pasha sindikizwa na moto. Ta prière doit être accompagnée de feu ou de la force. Mais il y a des chrétiens. La qui ne connaît pas Christ. Tu peux lui dire. Chassons les démons. Au nom de Jésus. Oye, toi. Utangamizwa. Tu vas être souffrir. Wao bakati banakuya busiku kupiga vita. Lorsqu'il vient le soir te combattre. Banajiorganiza. Ils s'organisent. Ils utilisent tous les moyens nécessaires. Wanatumikisha kila njia yote mwana ofa. Katika sababu gani? Dans quel but? Wakati batakuya. Lorsqu'ils vont venir. Qu'ils font souffrir ta vie. Mais pourquoi toi tu blagues avec les démons? Mais sababu gani wewe unacheza na adui? Maombi yako, ta prière inapasha kuwa ya nguvu. Doit être de la force. Alléluia. Amen. Tulitafsiri maombi. Nous avons interprété la prière. Kama vile ma zungumuzo. Comme la conversation. Ya watu wawili wanapopatana. Entre des personnes qui se sont convenues. Na tukasema kuhusu maombi. Et nous avons dit à ce qui concerne la prière. Watu wawili wanapopatana. Lorsque deux personnes se conviennent. Ni mwanadamu na Mungu. C'est l'homme avec Dieu. Écoute enfant de Dieu. Siki ya mtoto wa Mungu. Depuis que Adam alitenda kazambi ndani ya bustani ya Eden. Il a péché dans le jardin d'Eden. Kukakuwa matengano katikati ya mwanadamu na Mungu. Il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Na ile matengano ilileta incompréhension ya kila aina. Et cette séparation a apporté la séparation de toutes l'homme les comprenait et Dieu comprenait toujours les hommes. Mungu mais les gens ne comprenaient pas Dieu. Écoute, Dieu appelle Abraham. C'est qui? Mungu amete Abraham. Dieu parle à Abraham. Mungu anamzungumzia. Parle songe. Kupitia ndoto. Il dit Abraham. Anambia Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et va là où je vais t'amener. Abraham en acceptant la voix de Dieu ou l'appel de Dieu. C'est qui a tu oui toi mon. Il devait marcher comme Dieu. Allez pas écouter bien comme avec les Mungu. Les choses graves. Mais la kini a kushangaza. Mungu alikomprendre Abraham, mais Abraham n'a pas compris. Dieu a compris Abraham, mais Abraham n'a pas compris Dieu. Abraham en Afrique Égypte. Abraham est arrivé en Égypte. Anambia Sara. Il dit à Sara. Apa tout à ce moment. Ici, nous allons mentir. Gizo kwa kiano. Comme tu es très belle. Bakayu atu kama uko mke wangu. S'ils connaissent que tu es ma femme. Bataniua. Ils vont me tuer. Banabakia na wewe. Ils vont te. Njo kwa maana kwanza sai. Et pourquoi alors avant tout? Tumwache Mungu. Abandonnons d'abord Dieu, soit d'abord les enfants du diable. La Bible déclare ceci. Bien assez maïvi. Satan, le diable, il est le père du mensonge. Baba wa uongo. Dès le commencement. Ça veut dire wakati Abraham, avec sa femme Sarah, bali kamate le option ya kusema bongo. On prit l'option de bali acha kwanza Mungu bakaitika bako batoto. Ils ont d'abord abandonné Dieu, ils ont accepté d'être les enfants de qui? Satan. Du diable. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Mais comment le monde y vit? Mungu anaelewa katu. Le Dieu comprend toujours. Mwanadamu, mais mwanadamu aelewi. Mais l'homme ne comprend toujours Dieu. Et l'homme était séparé de na, Dieu. Mwanadamu katengwa na Mungu. Dans le jardin d'Eden. Ndani ya bustani ya Eden. Dieu parlait avec l'homme. Mungu alikuwa kisukumuza. Comme ça. Côte à côte. Face à face. Bouche à bouche. Kinyoka oreille à oreille. Usikio kwa mais depuis le péché, lakini tangu yosami, mutu akakimbia Mungu. L'homme a fui Dieu.
Et Dieu est encore venu. Il s'est croisé avec l'homme là où il avait toujours l'habitude de le rencontrer. Dieu ne l'a pas rencontré. Dieu a commencé à le chercher. Je me suis posé la question. Comment Dieu a cherché Adam? Dieu regarde partout. Dieu connaît tout. Mais qui tu gagnes le fichier à Mungu en tafuta Adam? Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Dieu? Laisse-moi te dire. Adam était perdu dans le contrôle de Dieu. Tu peux me dire comment? Celui qui vit dans le péché, Dieu ne les voit pas. Dieu dit c'est vos péchés qui vous écartent. Ça veut dire lorsque tu es dans les péchés. Même si Mungu anaonaka fasi. Mais si Dieu ne voit pas, Dieu ne peut pas te voir. C'est pourquoi Mungu akaanza tafuta nani? Dieu a commencé à chercher qui l'homme? Adam. Où est-il? Adam a demandé à Mungu, j'ai attendu ta voix. Mais ce qui est sorti là, mais je me suis caché. Parce que je suis ni. Dieu pose la question à Adam. Mungu akamswali Adam. Depuis que niliishi na wewe mu bustani ya Eden. J'ai vécu avec toi dans le jardin d'Eden. Si y a ce qui attend si comme on a bien on a quoi. Je n'ai jamais en aucun jour attendu que tu es ni. Je viens toujours. Mais la couille que tu quittes. On se parle. On fait tout. Si y a ce qui attend si comme on a bien on a quoi tout. En aucun jour où j'ai entendu que tu es ni. Qui t'a appris que tu es ni? Nana le fous à coco tout pour. Dis la femme. A casser ma moine amke. Que tu as mis à côté de moi. Elle a mangé les fruits que tu nous avais interdits. Et moi aussi j'ai mangé. C'est comme ça que l'homme était séparé de Dieu. Et ils ont dit, tout à l'été, mais comme Dieu aimait toujours l'homme. Na shaba ya Mungu ilikuwa kurudisha les connexions. Et le but de Dieu était de ramener cette connexion. Lui et l'homme qui était dans le jardin d'Eden. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son fils. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est mort à la croix. Jésus-Christ a accouffé comme ça là-bas. Il a porté nos péchés. Qui nous ont séparés de Dieu. Qui ont coupé notre relation avec Dieu. Qui ont fait que l'homme n'était pas à mesure de parler avec Dieu. Jésus est venu ramener encore par sa mort à la croix. À travers sa mort et c'est pourquoi il nous dit dans Jean 14 et 13. Yote bien mutaomba kwa baba yangu. Tout ce que vous demanderez. Katika maombi kwa jina langu. Dans la prière. Baba yangu atabapatia. Père vous le dirai. Pourquoi? Il est chemin il quoi qu'a coupé. Parce que le chemin qui il est chemin nous fungiwa. Le chemin qui débloqué. Yesu alikuwa inaugurer. Si et bien. Kwa kufungua tena. Il est kukua mazungumzo. Katika kati ya mwanadamu na Mungu. Entre l'homme et Dieu. Na ndio kwa maana anasema. Et c'est pourquoi il dit. Je suis le chemin. Mimi ni njia. La vie. Et la vérité. Hakuna mtu anaweza fika kwa baba asipofika kwangu. Laisse-moi te dire. Le jour que tu as pris la décision ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Dieu le chemin a été ouvert chez toi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Mungu anamina ba fundisha na pitie Bwana mikono. Mtu anza kuelewa hii ambayo mafundisha na kushangilia Bwana. Ambaye aliyefungua njia ni Yesu. Seri kie veni nogire ce chemin c'est. Wewe kuingia ndani ya Yesu Kristo. Ana entrance seulement en Jésus. Je nafunguka kwako. Le chemin est ouvert. Usiano nafunguka kwako. La relation est ouverte. Niliambia wewe tulikuwa nabo mercredi. Je dis à cela avec qui nous c'est le mercredi. C'est pas le cri. Ai comme la lamiko. Ambayo Yesu alilalamika kwa msalaba. Je dis avec crié à la croix. Joy il kataka Pasia. Qui avait déchiré les rideaux? Il est rideau. C'est rideau. Non, c'est le sang de Jésus. A pas l'idée à mon Yesu. Haiko yo la lamiko. Ce n'est pas ce cri. Lakini ni dam. Mais c'était le sang. Ya Yesu. Que Jésus-Christ. Je le fungu a nini. Qui avait ouvert? Qui avait ouvrir cette chemin? Parce que tu le tiens que la séparation c'était. Parce que ce qui est établi. Cette séparation, tu vas comprendre dans l'Ancien Testament. Et tu vas comprendre dans l'Ancien Testament. Souverain sacrificateur. Na uyo kuwani mkubwa. Alikuwa anaingia une fois par an. Il entrait seulement une fois par an. Mu lieu très saint. Dans le lieu très saint. Tu as couvert Adam. Afin d'apporter le sang. Tu Mungu afunike. Et afin que Dieu couvre les péchés des humains. Et c'était une fois par an. Na ilikuwa tu ni limoya katika mwaka. Or wakati Moïse. Or lorsque Moïse.
ama alijenga tabernacle, lorsqu'il a construit le tabernacle, les modèles que Dieu avait donné au ciel, ça avait trois parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux très saints, et le lieu très saint. Or, le lieu très saint, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Salomon, mêmement, Salomon lorsqu'il a construit c'était la même manière, Dieu a jenga le temple. Ce qui donnait au souverain sacrificateur accès à kuingia dans les lieux très saints, l'accès de piétiner dans les lieux très saints, il quoi tourne les sangs du peuple qui l'a mené devant Dieu, les sangs de l'agneau. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Lorsque Dieu voyait les sangs, il pardonnait. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ aussi a enlevé, a déchiré les rideaux qui empêchait les hommes de trouver l'accès chez Dieu. Et laisse-moi te dire, toi tu as l'accès à Dieu. Et c'est ça la prière. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, c'est déconseillé. Pour que tu parles chez Dieu, de passer chez ces intermédiaire. Non, ou à coupitier. La Bible n'a il est à la droite. La Bible est à la droite. Le chemin, l'accès est libre. Et toi aujourd'hui tu peux appeler Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de venir à l'église. Afin que tu pries. Non, même à la maison. Mais tu ne viens pas à l'étape d'intercession. Alors que l'étape d'intercession est déjà finie. Maintenant, on a un bac à saga. Mais à quel moment où tu pries? Donc, on a vie chrétienne, c'est pourquoi Maïcha Koya au Christ, il faut tout asile. Maïcha Koya au Christ, il n'y a pas de changement. Ta vie chrétienne, il n'y a pas de changement. Maïcha Koya au Christ, il n'y a pas de force. Ta vie chrétienne, il n'y a pas de la force. Parce que tu ne pries pas. C'est Babu Aoua. La prière. Maombi ni moyen absolu ni njia ya kweli yetu kuzungumza na Mungu afa que nous puissions converser avec Dieu. Mwenye ko pembeni yako unaweza ongea na wewe na Mungu. Si tu peux parler avec Dieu. Niambili hai. Si lui. Unaweza ongea na wewe na Mungu. Si tu peux parler aussi avec Dieu. Uko na haki ya kuongea na Mungu. Si elle a droit de parler avec Dieu. Toko lingia ndani ya Yesu Mungu alikuwa baba yako. Tu es entré en Dieu, Dieu est devenu ton père. Hallelujah. Amen. Mungu aliitika kuwa baba yako. Dieu a accepté de devenir ton père. Mungu tayari ni baba yako. Déjà Dieu est ton père. Na unaweza omba. Et toi tu peux prier aussi. Na hauna limite. Et tu n'as pas aucune limite. Unaweza omba une heure. Tu peux prier une heure. Deux heures. Trois heures. Quatre heures. Toute la journée. Parce que Dieu c'est ton père. Parce que Dieu ni Mungu ni baba yako. C'est l'homme à qui tu peux parler. Mais Dieu. Et il est fatigué. Aime que l'homme. Il y a tellement de monde. À mon gueuleche. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il fit porter la chair, il savait que le désir de son père en appelait qu'à la tour à Mouzungumouzi. Chaque soir, que tu entres dans la prière, il est en train de parler à son père. Jésus entrait dans la prière chaque soir et il parlait avec son père. Pourquoi? Parce qu'il savait que son père était quoi. Mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne converses pas avec Dieu. Dialogue. Il y a une conversation. Ça augmente encore l'amour entre les gens. Est-ce que vous savez cela? Kama onge yake na Mungu. Si vous ne dialoguez pas avec Mungu Dieu, atakupenda. Dieu ne t'aimera jamais. Mais kama onge yake na sana. Mais si tu fais une grande conversation avec Dieu, ah, Mungu atakupenda. Dieu va t'aimer. Na t'aji révéler kwako. Et il va te révéler chez toi. Mais wewe unayo kama Mungu ni baba yako. Mais toi tu connais que Dieu est ton Jua père. Pourquoi tu ne parles pas avec lui? Au contraire, Bengine, na tafauti ya wengine. Bana ongelesha kamutu. Il parle aux hommes. Ase
C'est toi qui iras parler avec Dieu à notre part. Oh Maria, Mama wa Mungu. Oh Sainte Marie, Mère de prie pour nous les pauvres. Mapepo, mutumbu yako, les we. Démons dans ton ventre. Nilimambia hivi. Je vous ai dit ainsi. Hatuitiwa watakatifu. Ne sont pas appelés saints. À cause de nos études. Kwa sababu ya masomo yetu. À cause de notre moyen financier. Kwa sababu ya makuta yetu. Haiko juu ya rangi ya mwili yetu. Ce n'est pas à cause ya rangi, la couleur de notre peau. Hapana zaidi urefu. Même si nous sommes lancés, non. Hapana ufupi. Même si nous sommes courts, non. C'est pas à cause du nombre de patrons de l'État, non. C'est pas parce que nous sommes appelés Congolais. Mais si nous sommes appelés saints, c'est grâce. Il y a dame ou amboyo Yesu. Il y a dame. Le sang que Jésus avait coulé à la croix de Golgotha. Du fait que tu es condamné à Yesu. Et du fait que tu es dans Jésus-Christ. Lorsque Dieu te voit, il te voit en dessous du sang. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Kuna mtu amenielewa. Et quand Dieu voit le sang, anakuona mtakatifu. Il te voit comme un saint. Uko mtakatifu. Tu es saint. Oh, mtakatifu. Tu as beaucoup un saint. Ni mtu ambaye anaenea. C'est quelqu'un qui est complet. Mtakatifu. Un saint. Ni mtu iko kama vile Mungu. C'est quelqu'un qui est comme Dieu. L'apôtre Jean dit ceci. Nam tu mets pas où le messie maï. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Oh, vous êtes Dieu. Comment Jean nous appelle des dieux? Parce qu'il sait c'est parce que l'œuvre de la croix il nous a fait entrer dans la dimension de Dieu. Ça nous a donné l'identité de Dieu. Ça nous a donné le pouvoir. Apparemment, tu ne comprends rien. Vous savez, le mal des chrétiens. Ambaye kuna fanya shetani akuwa wa nguvu kutushinda. Qui fait à ce que le diable soit fort plus que nous? Ni kutokujua anwani yetu. C'est le manque de connaître notre identité. Niko nakwambia wewe uko mtakatifu. Je te dis toi tu es saint. Du fait ya kuingia ndani ya Yesu. Si fait seulement d'entrer dans le Seigneur Jésus-Christ. Alikupatia byake byote. Il a donné tout ce qui lui appartient. Alikupatia byako byote. Il a donné tout ce qui t'appartient. Byote binavyo fa juu ya maisha. Tout ce qu'il faut pour ta vie. Yesu alikupatia. Jésus te l'avait donné. Nilikuwa nachunga wewe useme amina kubwa. J'attendais que toi tu fus un grand. Pour que la chawi na balozi basitie. Afin que les sorciers et les petits. Na baeleo kama unatambua anwani yako. Pour que toi tu sois dévoilé ton identité. Mais uko nabakia tu hivi. Mais toi tu crois seulement les bras. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus-Christ. Il kufanya ukue kama Mungu. Afin que tu sois un Dieu. Kama Mungu ni tajiri. Si Dieu est riche. Na wewe uko tajiri. Toi aussi tu es riche. Kama Mungu ni mshindi. Si Dieu est victorieux. Na wewe uko mshindi. Toi aussi tu es victorieux. Kama Mungu ni wa uwezo. Na wewe uko na uwezo. Tu as le pouvoir. Kama Mungu ana mamlaka. Si Dieu a l'autorité. Na wewe uko na mamlaka. Si Dieu a l'autorité. Kama Mungu iko juu. Na wewe uko juu. Tu es au-dessus. Kama Yesu alishinda. Na wewe kupitia damu ya msalaba Golgotha uko mshindi. Amen. Hapa na kutembea barabara. No, tu marches dans la route. Nini njia ya Nyawera? Je mène derrière la route, qui mène derrière la route. Non. C'est quelqu'un qui a fait tomber l'argent, non. Pense à quoi que ville. Un poste n'est pas comme ça. Notre Dieu est riche. Notre Dieu est riche. Nous sommes aussi des riches. Nous sommes riches. David dit ceci. David, tu sais qui suis? Nilikuwa kijana. J'étais jeune. Nikakoma. J'ai grandi. Sikuwahi kuona mwenye haki. Je n'aurais jamais vu injuste. Anaachiliwa. Abandonné. Hata kizazi kyake. Même sa progéniture. Kuombaomba. De prier de kiemander. Un peu. Kama ongali naomba. Si tu continues toujours à prier. Hauyajua anwani yako ya uwaki. C'est parce que tu ne connais pas ton identité de juste. Wewe ni mwenye haki. Tu es injuste. Je vous ai parlé de la justice. Niliwasu kumuzi ya juu ya uwaki. Dieu le samedi. Wa Mungu le mercredi. Mais siku ya tatu. Mercredi. Niambia. Je vous ai dit. On n'est pas justifié. A tout étalé, oui. Ne sont pas appelés justes. Dieu a quitté que ton enfant. À cause des choses que nous faisons. Il est dans Moutou. C'est seulement le sang. Il est dans Moutou. C'est seulement le sang. Il est dans Moutou. C'est seulement ce sang. Donc, comment on a mis si pendant Moutou à Tchèze la dame ou Yahweh? Moi, je n'ai pas qu'une personne blague avec le sang de Jésus.
Oh, damu ya Yesu ke funika bugadi yangu. Oh, le sang vient couvrir encore ma maison. Le diable vient te tester. Oh, damu ya Yesu funika nyumba yetu bachao bastoni. Le sang vient couvrir notre maison que les sorciers ne voient pas. Toi. Le sang précieux. Damu ya samani. Ukona ite funika nyumba yako ya manjanja. S'il appelle pour couvrir notre maison en tôle. Sasa. Alors, ukakuokonom. Si tu es en train de prier, Baba niko na bariki chakula. Seigneur, j'ai béni cette nourriture. Damu ya Yesu itakase ifunike. Kisha unafungula macho na kutana. Et puis tu ouvres les yeux. Chakula na geuka damu. Wewe hautaanza kemea. Tirer les venir le sang. Hautaanza kemea. Tu vas pas commencer à. Hautakimbia le bugadi. Tu vas pas fuir les foufou. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Ina kazi ya ukombozi. À l'œuvre de la rédemption. Apana ya kutupa yule ya nyumba. Ce n'est pas jeté pour la maison. Oh, ikufunike. Oh, qui ça te couvre. Le nom qui te protège, c'est le nom de Jésus. Jina ambo mekulu na jina Yesu. Le nom qui protège nos maisons, c'est le nom de Jésus. Jina Yesu Christ. Le nom qui protège nos familles, c'est le nom. Mais le sang nous a racheté. Damu imekufanya kuwa mwenye haki. Le sang t'a fait injuste. Damu imekupatia samani mbele ya Mungu. Le sang t'a donné une importance. Apana kualika ile damu n'importe quoi. Ne mettez pas ce sang n'importe comment. Pas bien les bikonomba. Aussi pour les autres. Buvez le sang. Toi. On a chez un Adam. Tu plaques avec le sang. La Bible déclare. Le bien que c'est le sang précieux. Le damu ya samani. Le sang qui a racheté nos âmes. Damu ambayo ilinunua hiyo manafsi yetu. Siku tutanyakuliwa kufika mbinguni. Le jour où nous serons enlevés pour aller au ciel. Jo bengine batayua. C'est le jour où les autres seront. Samani ya nafsi zao. L'importance de leurs âmes. Non. Apana. Nafsi yako. Ton âme. Ina bei kali. Nafsi yako. A un prix précieux. Ina samani kubwa. A une grande. Nafsi yako. Ton âme. Ina neema ya ajabu. A une grande grâce. Nanjo kwa maana Biblia inasema. Et c'est pour ça que la Bible dit. Linda nafsi yako kuliko. Protège ton âme plus que. Kila kitu kote. Toutes tes choses. Ça veut dire nafsi yangu. Nina pasha ilinda kupita hata mke wangu. Plus que ma femme. Kupita nyumba yangu. À travers ma maison. Kupita utajiri wangu. Plus que ma richesse. Kupita masomo yangu. Plus même que mes études. Kupita kila kitu niko nacho. Nafsi yangu. Mon âme. Ya samani kubwa. Est tellement important. Mais wewe uko exposé nafsi yako. Mais toi tu exposes ton âme. Kusema bongo. Tu parles des mensonges. Uko exposé nafsi yako. Tu exposes ton âme. Muzambi. Dans les péchés. Uko exposé nafsi yako. Tu exposes ton âme. Kubitu ya bina samani. Dans des choses qui n'ont pas d'importance. Yambile mwako pembeni yako mwambie. Dis à celui qui est à ton côté. Linda nafsi yako. Protège ton âme. Jukwa mana mi wakati niliokoka. C'est pourquoi moi lorsque j'ai reçu le salut. Après avoir été baptisé, chez moi m'avait chassé. Non. Je me suis dit non. Mon âme, c'est plus que ma famille. Inashinda atajama yangu. Vous savez, Najua, à ce qui concerne les salis, il n'y a pas les histoires de baba na mama na mtoto. Kila mmoja, tout le monde, atajingiliaka. Chacun ira du soir. Hakuta kuwaka vya kusombera gizi mengine mana wazaka. Il les choses de... Ase misa tunda unaka mananza panda. Quand je verrai, si moi commence à monter, je prendrai une personne. Ni mafundisho ya matu ya mapepo. Ça, c'est les enseignements des démoniaques. Hatuta pandaka na imu ili. On ne monteront jamais avec ses corps. Hatuta pandaka na ima vase. On ne montera jamais avec ses habits. Nous serons transformés. Tout a bâti les choix. Alléluia. Amen. Tout a vala mwili ya utukufu. On portera les habits de la gloire. Yenye haijue kimambazi. Qui ne connaîtra jamais les. Yenye hawezi kamata. Ou si ne peut pas. Unaweza niona hivi. Tu peux me voir ici. Lakini wakati unapiga hapa mkono na. Mais quand tu veux me prendre comme ça les bras passent. Mwende mapatie mfano hata kama haiko mfano nao. Laissez-moi vous donner un exemple même si ce sera pas un exemple typique. Nani sasa una film ya Karashika? Qui a un jour vu les films de Karashika? Nani aliona ka film ya Karashika? Qui avait vu la vidéo de Karashika? Eh? Karashika. Nani alionaka? Qui avait vu ce film? Si mengine tulionaka ile film. Nous autres n'avons jamais vu ce film. Unaona hizi Karashika? Tu voyais comment Karashika? Alikuwa anatokea tu mu kibambazi, bam, mu nyumba. Il apparaît dans les murs directement dans la maison. Eh, mnaona ile film? Vous
Vous avez vu ce film? C'est comme ça que nous serons lorsqu'on portera les corps de la croix. Et ne voit pas les murs. Et ne voit pas chaque péché. Donc c'est partir. Même si tu viens me toucher alors que j'ai ces corps. Ta main passera. Et tu ne me toucheras même pas. C'est pourquoi si Dieu te fait porter le corps de la gloire, même si on te tire. Même si on te donne les poisons, même si on te frappe, même si Dieu te donne le corps de la gloire. C'est ça le corps que moi je demande au Seigneur. C'est le corps que je demande au Seigneur. Et c'est pourquoi je ne tombe pas malade. Que je vous donne mon secret. C'est la première fois que j'ôte ce secret. Chaque fois je dis au Seigneur. À chaque fois je dis au Seigneur. Que mon corps porte la gloire. Parce que je connais que mon corps est la gloire de Dieu. Même si je prends du poison. Mon corps ne peut pas être détruit. Même si on me jette de la maladie. Ça ne peut pas toucher mon corps. Est-ce que tout le monde est là? Il y a quelqu'un qui me comprend. Non, j'aime ce corps. C'est un bon corps. Alléluia. Amen. Parfois les sorciers, ils peuvent venir chercher. Il dit que nous lui manquons. Peuvent venir chercher ta maison. Si Dieu les fait porter la gloire, ils ne diront même pas. Les hommes physiques ne peuvent pas les voir. C'est pourquoi ce jour-là, quand on m'avait tiré, ça c'est le moment troué mon vêtement. Mais le corps de la gloire, ça a passé et ça a parti. Alléluia. Amen. Quand je suis revenu physiquement, j'ai vu le corps est troué. Je suis parti chercher dans les corps de la gloire. Il n'y aura aucune chose. Il n'y avait pas aucune chose. Je me rappelle. En 2002, on m'avait empoisonné tellement. Et c'était au point de me tuer. Je suis parti prendre les médicaments. J'ai prié d'abord la nuit. Et après le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dû à dire, transforme mon corps, et que ça soit un corps de la gloire. Afin que même si on m'empoisonne, que ça ne touche pas mon corps. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui peut désirer le corps de la gloire? Et vous savez les dons de porter ces corps. Si tu vas accepter de payer les garants, ça un garant ces corps. Ces corps ont un garant. Si tu vas accepter de payer les garants, moi lui d'enseigner les garants, afin que Dieu te les donne. C'est un corps de condition. Dieu ne donne pas ce corps à n'importe qui. C'est lui qui est capable. C'est celui seulement qui est capable. Parce que c'est lui qui porte ce corps. À tout moment, Dieu peut l'apporter. Est-ce que vous savez cela? À tout moment, il peut t'emporter. Parce que tu es devenu sa demeure. C'est pourquoi moi, à tout moment, je peux mourir. Mais je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. À 200 ans, là, j'ai mouru. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais à tout moment, je suis prêt. Paul, il portait cette corde. Et c'est pourquoi il est arrivé à la décision de Dieu. Vivre pour moi c'est Christ. Et mourir pour moi c'est intérêt. Faïda, est-ce que toi tu peux accepter? Est-ce que vous êtes critique? Tu peux accepter? Nani en est critique? Vous êtes critique? Tu peux accepter?
kuishi kwako ikuwe Kristo. Je, vivre pour toi ce soit na Christ. Na kifo kameleza kuya ni et faida si la mort peut venir pour toi ce soit un intérêt. Qui? Nani? Nani hapa? Qui? Batakubeba sahi. On nani? Va t'emporter ici. Si... Nani? Tia tu mkono yule. Place-moi tu dois. Tu as fait tout tu t'es basé quand tu as eu un problème. Tu vas on partira sans intérêt sans problème. De maman fofu na tacha watoto na nani? Tu vas laisser les enfants avec qui? Maman ono? Maman ono? Les enfants ont encore besoin de toi. Eh, vivre pour vous c'est Christ. Et mourir c'est un intérêt. Si tu es prêt, place vos dents en l'air. C'est lui qui veut partir précocement. Il passe dans l'air. Écoute, les choses de Dieu sont sérieuses. Mustupatie milio kama tano kama kumi kulimoni. Tutenda kutia nani tunacha kia nani? On va partir et on va laisser quoi? Tutenda kutilio ya nani tunacha kia nani? On ira au dieu de qui on va laisser. Au contraire, batasima tunaba sacrifier. On va dire qu'on va commencer à sacrifier. Asina mote walikuwa jana mukanisa. Hier, tous les sacrifices. Non, il sacrifice na kamata kwe. Les sacrifices avaient pris vraiment, avaient tenu. Écoute. Toi qui places ton doigt à l'air. Vis d'abord que ta vie soit Christ. D'abord. Tu es encore orgueilleux. Tu pars encore au démarrage. Tu as encore le désir. Lorsque tu dis que vivre pour toi c'est Christ. Écoute. C'est qui? L'apôtre Paul dit ceci. Paul, monsieur Maïve. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? Kuzara uliyo. Wewe baka kuzara utu. Toi si on timide toujours, tu te places. Baka kuzara utu. Les doigts en l'air. Bataniona. Il faut me voir. Ase mashutumu. Il dit que kukosa. Les disputes, il manque. Wewe ukakosa tu. Si toi tu manques. Tamaku mengine. Mungu iko sani hiyo. Il espérait que tu ne connais pas. Toi mourir sur toi c'est Christ. Oui. Elle intérêt toi. Oui. Toi. Ngana penda dunia hivi. Tu aimes encore le monde comme ça. Paul anasema Paul dit kuishi kwangu ni Kristo. Vivre pour moi c'est Christ. Na kukufa ni faida. Et mourir c'est un intérêt. Mie ni hivyo. Moi c'est ainsi. Kuishi kwangu ni Kristo. Vivre pour moi c'est Christ. Na kukufa kwangu ni faida. Et mort pour moi c'est un intérêt. Mimi najua Mungu akanibeba ni faida. Je sais que si tu m'emportes à cette terre c'est un intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na njoo mtu mwa sanda enda sena. Je sais lorsque tu peux dire et je sais. Eh musisema sikubalaka. Ne dis pas que je ne faisais pas prévenir. Mourir pour moi, c'est un intérêt. Tu es Christ. À cause de Christ. Alors. Alors. Satan. Le diable. Sababuyaki. Zombie. C'est de te faire souffrir toi. Nanjou kwa mana maombi unapasha fanya. Et c'est pourquoi la prière que tu dois faire. Haiko tena maombi mazaifu. Ce n'est pas une prière faible. Non, mtu mwenye unafanya maombi ya nguvu. Non, une personne qui fait une prière forte. Prière efficace. Mungu anafanya maombi ya nguvu. Celui qui fait une prière efficace. Haiko mwenye naomba dakika 10. Ce n'est pas celui qui prie 10 minutes. Haiko tena mwenye naomba dakika 12. C'est pas quelqu'un qui prie 20 minutes. C'est quelqu'un qui a une prière. Ni ule ambaye wakati anaanza ni 13. Il commence même 30. Au contraire même 13. Au contraire même 13. Je pêche. C'est lui qui mwenye kunafanya maombi ya nguvu. Ule ambaye anafanya une prière efficace. Il doit commencer à 1h. Parce que ndio référence ya Bible. Parce que c'est la référence de la Bible. Yesu iko naomba na wanafunzi yake. Tu es pris avec ses disciples. Anabaacha hapa anabambia maombi. Il laisse là il dit prier. Anapanda kule kulima kwa. Il part en montagne de prier. Anarudia na kutana banana. Il revient il a rencontré Jésus en dormant. Jésus l'a réveillé. Anasema hamwezi kuomba hata na misa. Vous ne pouvez pas aussi prier même une heure. Pour dire quoi? Il écoutait maombi kama unaweza omba maombi ya kiloko. La prière si tu peux prier paix. Kufatana na Mungu. Et à travers Dieu. Une heure. C'est une heure. Mais oui. Mais toi? Miaka mbili. 10 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans la chrétienté. Tu n'as jamais même fait une erreur. Tu es chrétien vraiment. Demandez à lui, est-ce que tu es chrétien ou tu es qui? Tu n'as en aucun jour fait une erreur. Et de qui j'ai mangé, je ne suis pas jamais fait ça. Jamais que tu as fait ça. Toutes ces années que tu as dans le Christ. Mais qui est ça? C'est à papa tout moment. Papa va prier papa pour moi. Papa va prier pour moi. Écoute. C'est qui?
l'onction qui est sur ma tête. Comme vous êtes mes fils, automatiquement, vous marchez avec cette onction. Les autres ne me comprennent pas. Du fait que vous êtes mes fils, l'onction qui est sur ma tête est aussi au-dessus de vous. Comme la montagne, c'est comme l'huile qui coule sur la tête de Aaron, ça descend au bas et puis ça descend. La tête c'est moi. L'onction de Dieu commence ici. Jusqu'à la fin. Parce que tu es fatigué. Parce que me choque. Comme Zembe. Tu es faible. Mais tu peux prier aussi. Tu peux chasser aussi les démons. Tu peux prier pour les malades dans la peine. Tu peux prier pour les morts dans la foufouka. Tu peux faire de grandes choses. Moi, tu es vite, Papa, tu ne dois pas chauffer. Même toi aussi. Oui, Rodrigue, je m'en parle. Toi, Rodrigue, lève-toi la culture. Aukunita. Je m'en parle. Akanilomba, papa, minezaomba, fulani, sa koufa. J'ai pu prier, tu es déjà mort. Je lui ai dit, je t'ai dit. Et puis, quand tu es prié, Hakurudia. Il n'a pas été ressuscité, c'est ça. C'est même, oui. Même toi aussi. Problème ni nini. Les problèmes, c'est quoi? Oui. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité. Et c'est pourquoi si tu devant les démons, ils tremblent. Bon Dieu, on a pas tremblé. C'est eux qui doivent trembler. La Bible déclare. Bible les démons aussi. Ma peuple pire. Croit que Dieu existe. Et il fait quoi? Et il tremble. Après, na ouais, Dieu tremble. C'est toi qui dois trembler. Bon Dieu, on a pas tremblé. C'est eux qui doivent trembler. Attends, chouka semé. Même s'il descend, il y a Lucifer. C'est moi le diable. Tu n'as pas de t'a tremblé. Il va trembler. Mbeleango t'a tremblé. Devant moi, il va trembler. Parce que si comme il est péché. Parce que je ne suis pas seul. Éternel des armées, Anaïshi Daniel. Jésus vit dans ton cœur. Alors on n'a pas cherché ma ouezo. Tu dois avoir la prière. Voyez vite à Wachawi na wafu pour les connards. Les sorciers et des pétitions. Et nous avons tous élus dans le monde. Tu dois savoir faire une prière efficace. Baba. Seigneur, et tu dors. C'est son nom. Toi. On va te couper les coups. Kama ni maombi, ni maombi. Si c'est la prière, c'est la prière. Un frère vient chez moi. Il était dans le monde satanique. Mais dis, papa pasteur. Ça fait 3 ans. Il n'a quoi mis à côté à tout. Qui l'a si que 0 heure n'a mis chaque jour à 0 heure, ça me retrouve. Il a moins bien aïe. Je le dis comment? Il dit je t'ai déjà habitué. Maqué. Donc. Il est 23h15. Lui c'est à 23h15. Quoi n'attoque déjà? Il quittait déjà. 0h moins 10. 0h moins 10. Déjà pas le coulage. Dieu le voit qu'on il est déjà là. C'était ça la condition. 0h et qu'on a m'coute à pied. Qui est à 0h. Coulage. Ça le retrouve où? Au lac. Ça fait 3 ans. M'a dit ça fait 3 ans. Minaishi imaisha. J'ai vu cette vie. Dieu m'a retiré de loin. Mais oui. Mais toi? Oui. Toi là. Si il te dit même, prie 30 minutes, pour, 30 minutes chemin, pour ta vie, toi. Soumou, anaomba kasi kuto alifanini. Il prie seulement les jours où il a été étranglé et il a songé, il a eu des cauchemars. Les jours où tu as dormi avec la paix, il oublie que Dieu existe. Pourquoi les chrétiens ne sont ainsi? Qui nous a ensorcelés? Je peux faire au hasard ici. Shimama. Lève-toi. Kua wazi mbele ya Mungu. Sois clair devant Dieu. Depuis jana usiku. Depuis hier soir. Mpaka sai. Jusqu'à maintenant. Oui, ça omba. Tu as déjà prié. Oui, ça omba. Tu as déjà prié. Sagan. Tu as prié quand est-ce que
Depuis hier soir jusqu'à maintenant. Si tu as prié les soirs, donc ne comptez pas. Depuis hier soir jusqu'à maintenant, donc il n'a pas encore fait quoi? Il n'a pas encore prié. Date, Shima. Tata, lève-toi. Depuis vendredi, ça tout le temps qu'on parle canis. Depuis le vendredi, lorsque nous avons quitté ici à l'église. Pas qu'à ça. Jusqu'à maintenant. Oui, ça ombre. Tu as déjà prié? Mina, on lisait ça ombre. Depuis mercredi. Depuis le mercredi. Tout le temps qu'on parle canis, ça pas qu'à ça. Nous avons quitté ici à l'église jusqu'à Dieu maintenant. Dieu sait pourquoi on a parti les questions qu'on lisait. Mina, ça ombre. Pourquoi on a joué à l'église jusqu'à maintenant? J'ai prié lorsque je suis arrivé ici. Quand tu l'es arrivé où? Quand il est arrivé ici. Mais toi et qui te bénisse. Il est très sincère devant Dieu. Donc il n'avait jamais prié. Si j'ai fait lever toutes les autres, s'ils ont prié, c'est parce qu'ils ont eu des conséquences. C'est parce qu'on l'avait étranglé la nuit. C'est parce que les zombies, eux, quoi. Je ne m'aurais pas voulu. Et c'est comme ça qu'il a prié seulement. Mais s'il avait la paix seulement. Si je pose la question, dis-moi, et conditions. Cette condition, c'était comment? On m'a dit seulement les jours où ces temps ne me rencontraient pas, je perdrai toutes les choses qu'on m'avait données. Donc, alors, la peur de perdre tout ce qu'il avait réussi du monde des ténèbres, même si on ne les tirait pas, lorsque on l'a dit, on l'a menti. Mais la peur seulement de les perdre. C'est ce qui faisait à 0 heures, ça le retrouvait où? Il y a des gens qui souffrent ici. Laisse de désirer les gens alors que tu ne connais pas leur vie. Alors, quand tu quittes à la maison, chez toi on connaît. C'est là où maintenant il m'a annoncé chez ma vie. Mais Apondi, alors il m'a montré des choses. Il m'a dit ça. Dieu veut bien faire ça pour moi. C'est ce qui fait que Balale, c'est moi qui dors. Quand si, dire, si je n'ai pas encore entré Mounyumba, dans la maison, Ikoué papa, que ce soit papa, Ikoué mama, que ce soit maman, Ikoué nduku, que ce soit mes frères, c'est lui s'il trouve il est ça, si, arudi, les urines. Si je n'ai pas encore entré, il va uriner au lit. Il y a des choses qui sont en pita kamo. Il y a des choses que nous traversons. Nous voyons ça normal, mais nous c'est, ça normal, mais c'est anormal. Non. C'est lorsqu'il rentre à la maison où tous trouvent encore la conscience. Leur conscience encore rentrée. Vous ne savez pas la clôture dans laquelle vous êtes. Qui est dedans? L'élément du diable se tue dans votre clôture. Kilomètre à quartier, nous. Le kilomètre, élément à jeter ni vous ne savez pas l'élément du diable, c'est qui? Qui ne sait pas qui contrôle votre quartier? Vous n'a pas de fanya maombi en vous. Vous devez faire la prière de. Arrive au viote. Détruis tout. Il y a un certain temps, Dieu me réveille comme ça. Il m'a dit, je te donne 2 heures de temps. Prière d'autorité. Maombi à Mamla. Prie pour mon serviteur. Qui se retrouve en Chine. Je l'ai fait réveiller pour prier, il ne parvient pas. Réveille-toi et prie. À 10 heures de temps, en nom de Jésus. J'ai prié. Que le plan du diable soit mille pendant 2 heures. Dieu m'a dit, si on le tient, les singes te le demanderaient. Le salut de l'Esprit est dans ta vie à ce moment. Réveille-toi et prie. Prière d'autorité pendant 2 heures. La prière d'autorité pendant 2 heures de temps. Mais nous ne savons pas faire une prière efficace. L'église a perdu une vie de la prière. La prière c'est notre moyen de parler avec Dieu. Comme tu es dans Jésus, tu dois avoir un temps et parler avec Dieu à tout moment et à chaque seconde. Ça va te faciliter d'être en contact avec Dieu. D'être en contact avec Dieu. Ça va te faciliter d'être prié. Ça va te faciliter d'être prié.
vivre la conséquence des promesses de Dieu dans ta vie. La prière est tellement importante. Aujourd'hui, je devais parler sur la prière efficace. Ça doit être une prière qui ne t'accompagne pas. Mais je pense que les zungumzi à dimanche. Je pense qu'il va parler le dimanche. De fois. Et tu verras combien de fois. Ta vie est séparée. Si le Jean plaque avec ta maison, tu trouves un fiancé, il part. On a pas taïki qui n'arrive. C'est parce que tu ne vis pas une vie de la prière. Je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que mon monde spirituel, dans le monde spirituel, chaque église, par rapport à la dimension de la kupanda, par rapport à leur dimension de monter, c'est la dimension des combats qu'on les envoie venant des mondes de ténèbres. De la même manière, il peut combattre le Sepake. Ce n'est pas de la même façon qu'on peut. De la même manière, le monde a dit que nous vita comme catholique. De la même manière, ce n'est pas de la même manière avec nous. Élever les combats chez les catholiques, ce n'est pas de la même manière qu'il peut élever chez nous les chrétiens. Est-ce que vous savez cela? Même Dieu le dit. Anasema, il dit, si ainsi kubali, je ne peux pas accepter ya kupita imani yako, la tentation qui traverse même de ta foi. Pour dire quoi? Pourquoi? Jaribu ya zikuya, la tentation yenye yako qui est au-dessus de la foi. Comme tu es dans l'assemblée chrétienne Bethel. Dieu dans l'assemblée chrétienne. Dania ulimwengu wa giza. Dans le monde des ténèbres. Kule banayua dimension spirituelle. Il connaît la dimension chrétienne Bethel. L'assemblée chrétienne Bethel. C'est pourquoi même les jeunes de cette église ne comprennent rien. Les jeunes ne comprennent pas la guerre dans laquelle nous sommes. 80% de cette église sont les jeunes. Mais la dimension de notre combat, ils ne comprennent pas. Tu peux voir un jeune, tu vois un jeune dans l'église. Dans la canisse. Il ne peut pas même avoir les soucis de Dieu. Moi, si je peux aimer modéré, la Bible dit, souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ça veut dire lorsque tu es un jeune, peux se rappeler de travailler. C'est lorsque tu es encore un jeune. Mais les jeunes de cette église, la kini fichana ikanisa, hein, ils se contentent de se croiser les bras. Pourquoi? C'est un combat. Le diable connaît que le jeune de cette église, s'il sauve seulement. Non, Bukavu t'a bougé. Non, Bukavu. Mais il combat la jeunesse. Mais on a piqué un échec. Le jeune est comme un chorale. Même si la chisson dans les chorales, il se retire. Même si la chisson dans les protocoles, il se retire. Il n'y a aucune chose importante dans le monde comme est vrai. Oui, toi, tu es dans l'œuvre de Dieu, tu te retires. À cause seulement de la mort. Le monde va te montrer qu'il n'a pas un ami. Je suis arrivé dans une église. Je prêche. J'ai fait montrer aux jeunes qui peuvent travailler aussi à Dieu. Après l'église, tous les jeunes se sont alignés là où j'étais. Parce que ici chez nous, ici nous connaissons seulement que c'est seulement l'église. Alors que nous savons aussi c'est quoi. Mais vous ici, on vous donne l'accès de servir Dieu. L'église à cette terre peut manquer un jeune qui peut s'élever, qui peut entonner même des cantiques. Église, ça. Cette église comme ça. 80% de cette église sont les jeunes. Vous pensez que devant le Seigneur, Dieu vous posera tant de questions un jour. Est-ce que tu penses que c'est pour rien? On a aussi un équipe pour rien. Qui a fait traverser le Nzambe Malam. On a j'attends d'assignation. On a convoqué, il t'a amené ici. Est-ce qu'on me voit que tu sois une étoile? Toi, tu t'es un jour posé cette question. Église en Chine, Zile. Cette église est au-dessus de d'autres églises. Mais Mungu na kuleta tu wapi? Mais Dieu t'a amené où ici? Est-ce que ça je lisais les questions? Est-ce que tu as un jour posé cette question?
Pourquoi Dieu m'a placé dans cette église? Où me voyez kujiswali? Tu as un jour posé pembeni ya kwenu ko makanisa. Et à côté chez toi, barafiki yako biko na makanisa. Tes amis ont des églises. Ba collègues yako biko na makanisa. Tes collègues ont des églises. C'est toi. C'est pas. Mais à partout. Mais c'est ici seulement. Est-ce qu'on a jiuliza? Est-ce que je te pose cette question? Où me voyez kujiuliza? Est-ce que c'est un jour pour cette question? Pourquoi? Pourquoi Dieu a vu seulement de me mettre dans cette église assemblée chrétienne Bethel? Moi, je me pose toujours des questions. Namina qui soit les mansoirs les mingi. Nambia Mungu. Je dis à Dieu. Pourquoi tu m'as amené dans la ville de Bukavu? C'est pas Bukani ou les nilés tchakatika. Il y a beaucoup de Bukavu. Et je connais ma mission dans cette vie. Et namina joue à chuter mon langue. Je commence à ouvrir nos nani qu'on a rafiqué à n'importe quel service. C'est pourquoi tu peux pas me voir m'habituer avec n'importe quel serviteur moi. Rare. C'est rare. Oh non. Oh non. D'ailleurs, Mukwa. D'ailleurs, vous êtes ici. Niambia rafiqué à nous mutumishi mon ville de Bukavu. Dis-moi un ami serviteur que vous connaissez dans cette ville de Bukavu. Niambi. Dis-moi. Ni juste na upendo. C'est parce que je n'ai pas d'amour. Ni juste va penda ki. C'est parce que je ne l'aime pas. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais mina yua sababu yangu ndani ya mtu. Mais je connais mon objectif dans cette ville. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très capital. Na ni muhimu. Mungu atatuuliza kasi ebote. Dieu nous demandera nous tous. Est-ce que tu peux te lever par tes pieds? Et tu vas dire à Dieu qu'il place à toi la semence de la prière. Est-ce que tu peux dire à Dieu ainsi? Je vais t'écouter des prières. Je veux que ta relation avec Dieu provoque Mungu. Que tu provoques Mungu. Pour lui montrer que je dois t'appeler dans ma vie. Je veux que tu élèves encore ta conscience. Je veux que tu penses encore à ces choses. Je veux que tu montes encore cette dimension. Or 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 cette dimension.